Mais putain. Mais putain. Cette sensation serait je devenu dresseur. Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tout ce désordre. C'est vrai, moi aussi il faudrait. Aussi, je précise, ce n'est pas un chaos parce que sérieusement, j'ai pas envie juste de recommencer ce petit truc à la con en début de partie quoi. C'est même pas encore mon Pokémon, il n'y a même pas encore mon nom. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas dans les commentaires, mais Madbub, tu respectes pas les règles du Nuzlocke. Non, mais sérieusement, c'est juste que j'ai pas envie de toujours recommencer avec un random user juste pour faire le combat de début, quoi. J'ai d'autres choses à faire. Ok, merci. Donc, Chiren, nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Pour le rangement? Le rangement? Mais quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper plus tard, parce que je suis la femme de la maison. Vous ne devriez pas aller voir le professeur et quelque chose, par contre... Sérieusement, ce nom est juste trop bizarre. Si, vous avez raison, sur ce, veuillez nous excuser. Nous ne voudrons pas le faire attendre avant de lui présenter nos remerciements. Je vous attendrai devant son laboratoire. Ah, moi, je dois repasser par la maison. On est désolé pour le désordre. Ça résume bien quand on dirait genre une... Ouais, c'est ça. J'allais dire le mot, mais je fais comme m'abstenir de dire le mot. Eh bien, mon bébé, les combats de Pokémon, c'est quelque chose. J'ai entendu vos Pokémon glapir depuis le rez-de-chaussée. Je m'en souviendrai de ce premier combat. Mais j'y pense, il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Bah, merci. Merci de la récupération, maman. Et voilà, il est en pleine forme. Et puisque tu sors, n'oublie surtout pas de prendre ton Vokit. Vokit est un vélo. Reçoit bicyclette. Un Vokit est une bicyclette. Toi aussi, il faut que tu ailles remercier le professeur, n'est-ce pas? Allez, file. Ok, mais le Vokit, c'est une bicyclette? Bof, normal. On va se dire que c'est totalement legit. Donc on va regarder un petit peu les options, parce que je connais vraiment pas les options. Donc Poussifeu, donc on va pouvoir le renommer plus tard, ça c'est sûr et certain. Et je vais qu'on a, mais je vais cliquer, ça va aller plus vite. Cliquez. Donc le sac, qu'est-ce qu'on a? On a les bicyclettes, le bicyclette, on va tout de suite le mettre. Le check. Même si je sais même pas c'est quoi mon truc de check. Le check pour faire select. Donc Madbub, qu'est-ce que j'ai? Oh là là. Champion. Ok, j'arrête. On a compris, il y avait des champions, ok. Donc les options, je vais tout de suite changer le truc. Donc la vitesse du texte, on va mettre à 3. 3, ça va trop vite. Avec l'animation, le style de combat défini, le son stéréo et la sauvegarde, on s'en fout un peu. Donc, non, je vais quitter les options. Merci, ok. Donc, allons dans cette aventure. Non, bien que tu vas pas me faire chier, non, bien. Comment qu'on fait pour prendre notre bicyclette? Je sais pas. On va pas chercher. Bon, est-ce que je m'en vais voir la... Oh, ça me saoule, quoi. Je vais aller tout de suite voir comment... je sais même pas c'est quoi mon select. Bon, c'est pas si grave pour le moment. Non, c'est pas Pokémon que je veux aller. Non, mais... Sac. Bicyclette. Ah, ça fonctionne pas comme une Xbox One. Oh, la bicyclette. Oh, trop stylé. Moi, j'ai une bicyclette, toi, t'en as pas. Je suis désolé de te demander ça, mais tu n'aurais pas aller voir ce que fabrique bien que je suis sûr qu'elle est encore en train de bailler au corneille. Elle est bien gentille, mais ce n'est pas une flèche. Ok, bon, on va aller avec notre vélo. Et... Oh, à l'intérieur de la maison. Est-ce que c'est sa maison? Non, ça c'est le parc de Challenge. On n'est pas dans la bonne maison. Et hey, non, non, mais arrête. Ok, merci. Merci. Le gars peut faire la grosse discussion quand je me suis incrusté dans sa maison. Attends, on va voir si ça c'est la bonne maison. Oui, la maison de Bianca. Merci. Merci de me dire que c'est la maison de Bianca. Ah, mais salut. Salut, qu'est-ce que tu casses? Non, 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 et encore non. Moi, je suis un super dresseur et j'ai même Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Allez, dis-le, Madbub. Allez, dis-le que tu veux dans l'aventure avec moi. Ça ira. Ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Son papa lui a dit, non, casse-toi. Tu te mets pas dans le dresseur. Attends, on va aller lui parler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que c'est, ce bazar crénant? Ma fille veut partir en voyage et j'ai vos Pokémon. Alors qu'elle se perd dans sa propre chambre. Ok, ben. Non, mais tu peux te calmer, là. C'est juste une gamine, quoi. Une gamine de 14 ans qui veut vivre sa vie. Laisse ça tranquille, c'est tout. Pourquoi s'enrager pour ce genre de truc, hein? Allez, il faut aller voir le professeur. Allez voir le professeur.
Allez, rentre. Rentre. Ouais, laboratoire. Musique high. Hello! Je vous attendais, mes jeunes amis. Je viens de remarquer un truc. C'est comme si le professeur Kikilikilaria, elle, parlait l'anglais et le professeur je ne sais pas quoi dans Pokémon XY, je ne sais même plus de son nom, parlerait en français. Bref, je ne sais même pas si quoi je raconte, mais bon. Je vous attendais, mes jeunes amis. Laissez-moi vous faire la présentation à nouveau. Je me nomme Professeur Kikilikilaria. Nous connaissons votre nom quand même. Challenge, je ne pensais pas un peu. Je te pensais un peu plus cool que ça quand même. D'autant plus qu'est-ce que. Je sais plus comment lire. D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Je commence donc les présentations. Je sais pas. Putain, arrête de dire ce nom. Merci. Et j'essaie de percer les mystères de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Mais c'est génial! Vous êtes des garçons et des filles! Non, je sais pas. Vous avez déjà participé avec premier combat. Je dis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Mon instinct est infaillible. D'ailleurs, que diriez-vous de donner un surnom à vos Pokémon? Oui, vas-y. Donc, je sais pas comment je vais l'appeler. Parce qu'avec Iboudouche, ça fait un peu de la merde. Mais j'ai envie de l'appeler encore Iboudouche. Je sais pas. Poussifeu. Pousse le feu. Petit poulet. Est-ce que je l'appelle petit poulet? Allez. On l'appelle petit poulet. J'ai pas de nom spécial. Petit poulet ou Iboudou? Oh, je vais aller avec Iboudou. Je vais pas me casser la tête. On va être gentil envers Iboudou, je crois. Hop. Ça va aller plus vite si je clique, je crois. Boudou. Attends, on va aller en QWERTY. Iboudou. Je sais plus comment écrire Iboudou, je crois. Iboudou. Touche. GG l'écriture, Mad Baba. Sérieusement, t'es trop fort. Ok. Je vois. Iboudou, s'il te plaît, c'est bon? Oui. Iboudou, c'est un surnom qui claque. Qui claque. Taille. Non, je sais pas. Bien, j'aimerais maintenant d'aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon. C'est pour le Pokédex, n'est-ce pas? Le Pokéquake, oui? Ma parole. T'en as là-dedans, mon petit challenge. On voit que tout de suite que tu as passé du temps, tout ton temps pour étudier les Pokémon, tandis que Bianca, c'est une fille, elle faisait ses cheveux. Mais je vais me permettre de donner, malgré tout, quelques explications. Le Pokédex, donc, les Pokémon que vous rencontrez seront automatiquement enregistrés, car c'est un outil high-tech. Je compte sur vous pour parcourir le Unis de long en large, afin d'en répertorier toutes les espèces. Alors je vous demande officiellement, Madbob, challenge Bianca, passer à l'aventure et compléter le Pokédex. Oui. Oui? Pardon, oui, bien sûr. Merci de votre confiance, grâce à vous, un nouveau dresseur est né. Nickel, les enfants, voilà une réponse comme je les aime. Attention, c'est le Pokédex. Reçois le Pokédex. Étape suivante, donc, je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur la route 1. Parce que nous, on appelle les routes avec des chiffres. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre des services. Hein, on peut... On peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire, hein? Charen fait un grand soupir, parce que les parenthèses, il faut les lire. Je pense que nous pouvons en voyager à notre guise tant que nous complétons le Pokédex. Tu sais, j'y pensais dans Pokémon, ce qui me rend un petit peu, genre, méchant envers l'idée de Pokémon. Hey, oh, Madbob, attends-moi! Non, mais c'est tout simplement l'idée de par rapport à Pokémon, c'est que le but principal, c'est Pokédex, mais le but principal de l'aventure, c'est de faire les gyms. C'est ça qui est si bizarre un peu, bon. Ah, voilà, alors, que vous a dit le professeur? Elle vous a demandé de compléter le Pokédex? C'est formidable! Que c'est excitant, mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant, parce que je suis ta mère, quoi. C'est pour cela que j'avais préparé ces cartes, elles devraient bien servir. Ça, c'est sûr que les cartes vont mieux servir parce que je connais pas tous les endroits dans le monde de Pokémon de cette version. Donc la carte doit beaucoup me servir. A mis l'objet dans la poche des objets rares. Tiens, Chelen, je te donne aussi une carte. Nous en prenons grand soin, madame. Et voilà pour toi aussi, Bianca. Oh, vraiment? Ça me gêne, merci. Je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé. Arrête de m'appeler mon bébé, sérieusement. En face de mes amis, arrête, s'il te plaît. Tu commences à me gaver, quoi. Tout de même, les Pokémon sont de surprenantes créatures. Ils sont adorables, mais assez puissantes pour mettre une chambre sans dessus dessous. Moi, je n'ai pas d'inquiétude à avoir si vous accompagne. Je me chargerai d'avertir vos parents parce que vous êtes des rebelles. Ouais.
et des gens vous visiteraient plein de lieux fabuleux dans la région du Nice. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Profitez-en bien et bonne route. Avec la carte, nous pourrons savoir à tout moment où nous nous trouvons, comme c'est pratique. Sur ce, le professeur doit nous attendre en direction de la route 1. Mais un instant, M. Bob, dépêche-toi. Non mais calmez-vous quoi, je peux prendre ma bicyclette et tous vous niquer. Ouais. Ok. Mad Bob, c'est par ici. Vinka dit que quitte à partir en voyage, il préférait que l'on fasse les premiers pas tous ensemble. Eh hey, Mad Bob, et si on allait ensemble à ma route 1 Sur ce, allons-y. À tous en cœur. Oh, c'était trop intense. Attends, laisse-moi prendre mon souffle. Ah, c'était les deux pas les plus longs que j'ai jamais fait de toute ma vie. C'est étrange. Route 1. Ah, je suis excité, quoi. Ah là là, je me sens toute chose. Bien, ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps. Oh là là, je viens de faire 4... Oh, scam là, je fais trop de pas. Trop de pas dans ce monde, on peut se calmer. Professeur Ketelleri... Ketelleria. Voilà, Ketelleria. Je vais l'appeler professeur, point, ok, on va faire ça simple. Professeur, pardon de nous avoir fait attendre. Je peux commencer mes explications. Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante de votre Pokédex est automatiquement créée. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées. Et comme un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais capturer un Pokémon sous vos yeux. Attention les mirettes. Oh là là, trop de talent. Elle a rencontré un Pokémon. Donc, si ce serait vraiment dans un Nunchuk Challenge, il faudrait qu'elle l'attrape du premier coup. Donc, elle envoie son Chichidou. Et ça me fait toujours penser à Chichila. Je sais pas si c'est ça le but, hein, aussi. De toute façon. Ok, Crassface qui va pas le tuer, bien entendu, parce que ça s'appelle la logique du petit tutoriel du début. Hein. C'est intéressant! Sérieusement, j'ai tout appris dans Pokémon. Hein. À partir de ce moment, j'ai tout appris. Merci, professeur. Vous l'avez vu? L'idée d'affiliuer un Pokémon en pleine forme est très difficile à capturer. Autant que possible, faites-en en sorte que vos Pokémon s'endorment ou paralysent celui que vous voulez attraper. Et comme je suis très généreuse, voici des Pokéballs en cadeau. On reçoit des Pokéballs avec un S, donc plus qu'une. Et je suis prêt à dire qu'on va en recevoir 5, je sais pas pourquoi. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite de les transporter partout. Bien, je pars devant à Arabelle. A tout à l'heure. Donc notre prochaine ville sera Arabelle. Arabesque Arabelle, oh oui. Elle a oublié de dire que les Pokémon jaillissent des autres herbes. Oui, jaillissent des autres herbes. Sur ce, je pars à Arabelle moi aussi. Bonne idée. Et puis, si on va pas à la prochaine ville, on pourra pas acheter d'autres Pokéballs. Pokéball. Une seconde. Madame Chadden, j'ai une bonne idée. Ne restons pas plantés là, le professeur attend. Mais écoutez un peu. Et si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on a capture. En incluant le Pokémon que le professeur nous a donné, celui qui a le plus de Pokémon a gagné. Ouais, mais c'est sûr que je vais perdre parce que c'est en un jeu challenge, je peux pas en attraper 10 millions. C'est de la merde. Bien que, mais c'est une vraie bonne idée et intéressante en plus. Qui plus est, nous remplirons le plus de pages. Qui aiderait le professeur? Formidable, bien, il faut guérir les Pokémon avant d'arriver à Arabelle. Chacun n'a qu'à rentrer chez soi. Gruikuik et moi, bon, c'est pas un Gruikuik, mais bon, c'est pas grave. Et moi, on va faire un malheur, c'est sûr. Donc on est sur la route 1, et là je vais pas rencontrer de Pokémon. Merci, c'est une bonne chose. Donc toi qu'est-ce que tu me dis? Les Pokémon sont tapis dans les autres herbes, n'est-ce pas? Donc si tu veux en combat de voir en attraper, il suffit de marcher dans les autres herbes. C'est tout? Juste ça? Juste ça? Et rien d'autre? Aussi simple que ça? Aussi simple que ça? Bon, ok, pas de Pokémon s'il te plaît. Ouais, GG, je suis trop fort. Alors Mad Bob, on compare qui a le plus de Pokémon, mais... Oui, vas-y. Hein, t'as toujours que ton moustillon. C'est pas moustillon, mais si tu attrapes pas d'autres Pokémon, ton moustillon va s'ennuyer, non. Tant que j'y pense, c'est vrai, j'ai des Pokémon. Pourquoi j'ai pas attrapé un Pokémon sur la route? Je suis un peu bizarre. Il est possible de réviser le nombre de Pokémon vus ou capturés jusqu'à présent. Sur ce cap sur Arabelle, le professeur attend. Le Voki sonne. Ouais, mais j'ai pas de Voki, c'est une bicyclette que j'ai reçue. Mad Bob décroche. Ouh. Hello, vous allez bien? Vous devriez vous être familiarisé avec vos Pokémon maintenant, non? Oui, professeur. Je vous attends au centre Pokémon Arabelle. Pourquoi je fais une voix de mec à une fille? Bon, j'aimerais vous le faire visiter, alors dépêchez-vous à venir. Compris. Compris, le centre Pokémon. Parfait, à très vite. C'est pas tout ça, je pars devant.
Ok, mais je vais attraper mon Pokémon parce que je suis con. Allez, on va attraper le premier Pokémon sur la route 1. J'ai dit on va attraper le premier Pokémon sur la route 1.